Ce projet One Health, vous vous doutez bien qu'il est compliqué, complexe, parce qu'il allie le fonctionnement des hôpitaux, de la médecine humaine, le fonctionnement de la médecine vétérinaire et le fonctionnement de la santé environnementale. Donc c'est un projet politique, mais c'est un projet d'ingénierie aujourd'hui. On aura par exemple, dans ce prochain contrat de plan, un joli projet de regroupement de ces trois recherches à l'université de médecine de Limoges. En termes d'emploi, c'est des milliers d'emplois, comme on l'a vu pour la LGV entre Bordeaux et Paris. Hein. Mais ensuite, c'est en termes d'attractivité et puis en termes de report modal de l'avion et de la route vers le train. C'est pour ça que entre le choix écologique, de garder les autoroutes de plus en plus pleines, de plus en plus larges, imperméabilisant de plus en plus le sol, utilisant du diesel ou du polluant, garrottant la ville de Bordeaux, et faire, ça aura certes un impact environnemental, mais pouvoir engager une vraie politique, peut-être à 15 ans, mais que les politiques ne réfléchissent pas, alors que c'est ce qu'on leur demande, à long terme. Et puis on ne peut pas venir me reprocher qu'on ne s'occupe pas beaucoup plus massivement de régénérer, hors compétence, avec des ressources que je n'ai pas, les petites lignes ferroviaires.